C'est une bénédiction abondante d'être en connexion avec vous, d'observer dans votre être une essence, une vérité et une connaissance. Cette énergie que nous appelons présence, c'est votre présence, c'est le Créateur présent dans votre être. Cette énergie de présence, le Créateur présent dans votre être est actif, en action et en mouvement. C'est le don que vous pouvez faire aux autres. Vous avez une présence intérieure qui sait tout, qui est divine et sacrée. Lorsque vous rayonnez cette présence intérieure, vous comblez les autres de bénédictions et de cadeaux. C'est comme l'expression la plus curative, la plus édifiante et la plus véridique de votre être. Lorsque vous partagez cette énergie, honnêtement et ouvertement, les autres vous répondent en partageant leur propre présence intérieure, et cela va au-delà de l'ego, du bavardage de l'esprit, des blessures des émotions ou du corps émotionnel. C'est la vérité, c'est la façon dont vous avez été conçu pour exister, la façon dont vous êtes conçu pour vous connecter aux autres, c'est une belle expression de vous-même qui est immensément épanouissante pour vous et pour tous les êtres. Le but de votre présence n'est pas seulement d'être rayonné vers l'extérieur pour se connecter avec tous les autres êtres et aspects du Créateur, c'est aussi pour vous d'utiliser cette présence, d'être présent avec les autres êtres. Beaucoup d'êtres parlent d'être présent. La façon dont moi, l'archange Michael, je parle d'être présent et que vous existez, avec d'autres êtres qui rayonnent votre présence. Oui, tu es présent avec cet être, ton être entier est en communication avec cette autre âme, cette autre personne ou énergie. Vous êtes réactif, vous partagez de l'énergie, vous donnez de l'énergie, vous recevez de l'énergie. Vous êtes constamment conscient de ce qui se passe dans votre être, des réactions qui se produisent, et des actions que vous vous sentez inspiré à créer. Lorsque vous vous permettez d'être présent avec un autre être, ou d'être en présence de votre essence, tout en étant dans l'espace d'un autre être, c'est immensément puissant. C'est une initiation extrêmement puissante, parce que vous vous connectez avec vous-même à un niveau plus profond. Vous vous connectez aux autres à un niveau plus profond, et en vérité, c'est ce à quoi aspirent toutes les âmes sur la terre. Il existe de nombreuses expressions telles que la solitude, la souffrance et la douleur, qui peuvent être guéries. Elles peuvent être rectifiées ou rééquilibrées de bien des façons, lorsque vous êtes en présence de vous-même, et en présence d'un autre être, et, plus encore, lorsqu'il est en présence de vous. C'est tellement plus que d'être simplement présent, de s'observer et d'observer les autres. Vous vous observez et observez les autres depuis l'espace de votre présence intérieure, si vous voulez votre divinité intérieure, votre expression intérieure du Créateur. Acquérir une telle maîtrise vous permettra de vous voir, ainsi que toute la réalité qui vous entoure, d'une manière complètement différente. Les illusions, les défis, les aspects, tout ce qui semble vous bloquer se dissout, et ce qui reste est la vérité. C'est la clarté qui prédomine, une clarté et une limpidité de soi et des autres. Ce processus vous permettra de devenir plus sensible à vous-même et plus sensible aux autres autour de vous. Par conséquent, un plus grand canal de la lumière du Créateur. Lorsque vous êtes dans votre présence, vous êtes dans votre pouvoir, vous êtes connecté à votre vérité intérieure. S'il y a des situations difficiles dans votre réalité, quelque chose qui vous trouble, il est nécessaire d'être dans votre présence avec vous-même, la situation et toute autre personne impliquée dans cette situation. À partir de cet espace de présence, et en rayonnant vers l'extérieur votre présence intérieure, la clarté, l'éclaircissement et l'illumination apparaîtront. Vous pouvez vous demander comment vous connecter à votre présence intérieure, et en quoi elle est différente de votre moi divin, de votre moi supérieur, ou de votre âme. Lorsque vous vous connectez à votre présence intérieure, vous vous connectez à l'aspect de vous-même qui est présent avec le Créateur, présent avec l'univers entier du Créateur, présent avec chaque changement d'ascension, et présent avec chaque être de lumière. Vous avez une conscience de tout ce qui est le Créateur, et c'est à partir de cette conscience de tout ce qui est le Créateur que vous avez expérimenté la vibration de votre présence. Ce n'est pas une forme pensée, ce n'est même pas un être, c'est la vibration de votre présence et votre présence est votre capacité naturelle et étonnante à être conscient et en connexion avec tous les aspects du Créateur à tous les niveaux et dimensions de l'univers du Créateur et à travers le monde. Vous pouvez comparer cela à l'unicité. Vous pouvez comprendre que lorsque vous vous connectez à votre présence intérieure,
vous vous connectez à l'unité, et c'est vrai. C'est une façon simple de comprendre votre présence intérieure. Si vous imaginez que votre présence intérieure est connectée à tout, et qu'elle est consciente de tout, votre esprit, votre conscience s'élargit automatiquement, et vous entrez dans cet état d'immense expansion en l'amenant, dans votre réalité en vous connectant à vous-même. Être conscient de soi, et être conscient d'un autre être, se laisser détendre dans sa présence intérieure, et il y a quelque chose à explorer, et à sentir. Cela peut être difficile à localiser, et à comprendre avec le mental, mais si vous avez l'intention de vous connecter à votre présence intérieure, cet aspect de vous-même qui est conscient de tous les aspects du Créateur, vous pouvez avoir l'impression d'observer et de vous connecter à tous les aspects du Créateur. Vous entrez alors dans un espace d'immense libération, de conscience et de la prise de conscience de la vérité, et c'est à travers cette expérience, même si ce n'est que pour un moment, que vous vous trouverez plus à même d'être présent avec vous-même et avec les autres. Vous reconnaîtrez la magie de votre présence intérieure et comment, lorsque vous êtes disposé à être dans l'espace de votre présence intérieure à certains moments de votre réalité, et avec certaines personnes, c'est comme si la magie se produisait. Se connecter à votre présence est important maintenant que nous entrons dans notre pouvoir en raison des changements ascensionnels actuels. La direction ou le chemin de l'entrée dans votre pouvoir et votre présence vous permettra de profiter de la vie et de votre croissance spirituelle. Vous vous sentirez comme dans un espace de sanctuaire, un sanctuaire que vous pouvez vous apporter à vous-même et que vous pouvez apporter aux autres êtres. C'est ce que moi, Archange Michael, je souhaite partager avec vous. Cela peut prendre du temps à intégrer dans votre conscience et à expérimenter pour y parvenir. Cependant, c'est quelque chose dont tu es capable et que tu peux réaliser. Moi, Archange Michael, je souhaite te soutenir pour y parvenir. Imagine que c'est presque comme un jeu que tu peux apprécier. Tu as plus de chances de réussir si tu ne te mets pas trop de pression. Dans l'amour et la vérité, toujours, je suis l'Archange Michael, merci.